Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Célébration lundi dernier de la Journée mondiale de l'eau. La commémoration de l'événement au Bénin a été marquée par la remise de prix aux lauréats du concours Or Bleu. Élections législatives en Israël. Le pays de Benjamin Netanyahou est donné en première place par les sondages. Et puis aux États-Unis, le débat sur les armes relancées. Une fusillade dans un supermarché du Colorado fait 10 morts, dont un policier. Bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin a célébré lundi dernier la 29e édition de la Journée mondiale de l'eau sous le thème « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». À l'occasion, les lauréats du concours Or Bleu ont été récompensés. Suivez le compte rendu de Clémence Tonoukouin et Romaric Devouchy. Les 7 lauréats du concours Or Bleu, qui encourage l'innovation dans la gestion des ressources en eau, ont été primés à l'occasion de la 29e édition de la Journée mondiale de l'eau. Le concours Or Bleu est une organisation du programme sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement et Eau Afrique en collaboration avec le ministère de l'Eau et des Mines. Au dire de la représentante de l'ambassadeur de l'Allemagne, Katharina Rett, le concours Or Bleu fait de ses lauréats des promoteurs de la protection de l'eau. Le prix Or Bleu a connu la participation de 122 candidats dans les catégories théâtre, lettres, dessin, bien-être, écotechnologie, poésie et chanson. Et de chaque catégorie, un candidat a été choisi. Donc on a 7 lauréats qui connaissent la place de l'eau dans nos sociétés et qui sont les promoteurs de sa protection. Selon Emmanuel Laoui, directeur de cabinet du ministre de l'Eau et des Mines, la Journée mondiale de l'eau permet de mettre en lumière les défis liés à cette ressource et à sa gestion dans le monde. Pour lui, le thème retenu cette année est très évocateur. Ce thème très évocateur attire l'attention du monde entier sur le rôle central et primordial que joue l'eau dans tous les aspects de la vie en tant que bien social et bien économique et surtout la responsabilité de l'être humain dans l'utilisation rationnelle de l'eau, sa valorisation et sa protection en vue de la pérenniser et de la préserver pour les générations futures. La question de l'accès à ce liquide vital reste une préoccupation majeure dans certaines localités du Bénin. Pour y remédier, des actions sont en cours, nous dit Emmanuel Laoui. Dans l'optique de rendre disponible ce liquide précieux à tous nos compatriotes où qu'ils se trouvent sur le territoire national, les actions suivantes sont actuellement en cours. En milieu rural, des systèmes d'adduction d'eau potable multivillages sont en construction un peu partout dans le pays pour renforcer les systèmes existants et des contrats d'affermage de type nouveau ont été conçus pour être signés avec des opérateurs professionnels pour la gestion de ces ouvrages. En milieu urbain, toutes les grandes agglomérations ainsi que certaines communes ordinaires sont impactées par les projets de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable. À date, environ 10% de la population béninoise sont impactées par les différentes réalisations. Valoriser l'eau, c'est reconnaître sa place dans nos sociétés. Il convient donc d'utiliser l'eau de façon rationnelle en vue de la pérenniser et la préserver pour les générations futures. L'association Glamour Club célèbre cette année ses 5 années d'existence, un creuset qui mène des actions humanitaires. Et cette célébration a été marquée par des dons dans un orphelinat et une messe d'action de grâce.
5 années déjà qu'elle apporte de l'amour, de la joie au cœur des couches les plus démunies de la société et mène des actions d'entraide entre membres. Pour cette 6e édition d'Action humanitaire qui coïncide avec les 5 ans d'existence, l'association Glamour Club a voulu rester fidèle à ses objectifs. Elle était le 14 mars dernier aux côtés des enfants de l'orphelinat Espoir d'enfants bénins à Ouida. Avec des vivres, des vêtements, des sachets d'Omo, des pagnes, des bidons d'huile et une enveloppe financière, les membres de cette association ont passé des moments de gaieté en compagnie de ces enfants. Et nous les avons visités et nous avons vu que vraiment, ils sont dans un besoin immense. Donc nous avons décidé aujourd'hui de leur apporter un peu de vivres et une enveloppe financière. Responsables et pensionnaires de l'orphelinat ont exprimé leur gratitude pour ce geste de générosité à leur endroit. La plus grande joie qui nous anime ce jour est le fait que notre orphelinat a été ciblé. C'est le moment de remercier tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour que cette fête ait lieu. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté œuvrer, d'avoir accepté partager cette joie-là avec les enfants de l'orphelinat Espoir d'enfants. Comme le dit souvent le fondateur, la gratitude est un don. Et selon Raoul Fouleureau, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Vous l'avez certainement compris, c'est la raison de votre présence ici. Merci du fond du cœur, que l'Éternel des armées vous bénisse. Cette célébration s'est poursuivie le dimanche 21 mars par une messe d'action de grâce dite à la chapelle du collège Père Aupierre de Cotonou. L'association Glamour Club a démarré ses activités avec 12 personnes au départ. Elle compte aujourd'hui 60 membres. Actualité hors du continent, le Danemark prévoit de lever ses restrictions dès que les plus de 50 ans seront vaccinés et en théorie ce sera pour fin mai. Et le gouvernement a présenté un plan de réouverture progressif des commerces, des écoles ou encore des restaurants alors que le nombre de cas d'infection continue de reculer. Le pays compte aussi sur la place de passe Corona. La première ministre danoise qui trinque en l'honneur d'un nouvel espoir, le Danemark sur le point de retrouver une vie normale. Nous rentrons bientôt à la maison après une bonne et longue journée. Heureux que nous ayons un plan à long terme pour ouvrir le Danemark. Mette Frederiksen qui se félicite d'un accord trouvé lundi avec différentes parties politiques du Parlement, sociaux-démocrates, gauche, radicaux ou encore conservateurs. Un accord cadre, un document de 7 pages et un objectif premier affiché. À quelques exceptions près, la société danoise doit pouvoir être ouverte lorsque toute personne âgée de plus de 50 ans aura été vaccinée. Une réouverture souple et responsable d'ici fin mai, prévient le gouvernement. À l'image des collégiens et lycéens autorisés à revenir en classe une semaine sur deux à partir du 6 avril. Le Danemark optimiste et avant-gardiste. Dans les prochaines semaines, un pass Corona sera obligatoire pour se rendre chez le coiffeur ou au restaurant. Le Corona Pass indiquera si le citoyen a été vacciné, s'il a vaincu une infection ou s'il a été testé négatif dans les 72 heures, à la fois par PCR et par test antigénique, les enfants de moins de 15 ans seront exemptés. Un pass numérique ou papier en attendant une ouverture de la vaccination aux 5,8 millions de Danois prévus à la fin du mois. Aujourd'hui, plus de 5% de la population a été totalement vaccinée, plus de 10% a reçu une première dose. Le gouvernement se montre prudent, le calendrier s'annonce chargé ces deux prochains mois. Tous les secteurs sont concernés avec pour simple règle le respect de la distanciation sociale, le port du masque ou encore décourager le principe de flânerie ou l'attroupement sur les bancs. Des informations complémentaires sont attendues mi-avril concernant les événements à forte affluence, comme les festivals de musique et les matchs de football professionnels. Les Danois doivent accueillir certaines rencontres de l'Euro de foot fin juin. En Israël, le parti de Benjamin Netanyahou est en tête des élections législatives. Selon les premières projections, le premier ministre sortant a salué l'immense victoire de la droite, mais il lui manque des voix pour rassembler une majorité des sièges au Parlement.
Immense victoire de la droite. C'est ce que revendique Benjamin Netanyahou aux élections législatives. Le Likoud, son parti, aurait récolté de 31 à 33 des sièges sur 120 selon les premières estimations, ce dont se félicite le Premier ministre. Ce soir, c'est un accomplissement incroyable. Nous avons fait du Likoud le plus grand parti d'Israël avec une marge confortable. L'État a besoin d'un gouvernement stable, pas d'un gouvernement de briques et de brocs fondé sur des disqualifications personnelles et sur des ambitions. Un gouvernement stable pour l'État israélien, c'est ce que la période exige. C'est ce que les défis qui se présentent à nous exigent. Nous ne devons en aucun cas entraîner Israël vers de nouvelles élections, vers des cinquièmes législatives. Nous devons former un gouvernement stable dès à présent. Mais les résultats examinés au cours de la nuit placent le bloc de Netanyahou et celui de son rival centriste Yair Lapid au coude à coude. Les deux hommes obtiendraient une cinquantaine de sièges chacun. La partie n'est donc pas complètement gagnée pour le Premier ministre, qui doit rassembler suffisamment de soutien pour obtenir la majorité et former un gouvernement. Il pourrait compter sur des alliances religieuses, mais aussi sur la droite radicale et le parti de Naftali Bennett, qui laisse planer le doute sur une éventuelle coalition avec l'actuel Premier ministre. Peu importe le gouvernement qui sera formé, je suis déterminé à faire progresser les valeurs de la droite. Mais un vrai droitiste qui n'est pas dans la confrontation, mais dans l'union. Je n'agirai qu'en fonction d'un seul principe directeur, ce qui est bon pour Israël et pour l'ensemble de ses citoyens. Symbole de l'opposition, Yair Lapid, qui a mené une campagne anti-Netanyahou, continue de faire front dans cette élection, espérant chasser le Premier ministre du pouvoir. Je pense que nous avons une bonne raison d'être fiers de la façon dont nous nous sommes investis et des résultats que nous avons obtenus. Pour le moment, Netanyahou ne dispose pas de 61 sièges, mais le bloc du changement, lui, les a. Une position que tient également la liste unifiée, qui regroupe le parti d'extrême gauche et trois formations arabes, et qui dénonce un programme raciste et extrémiste capitaliste de la droite. En Israël, c'est la quatrième élection en 2 ans et la lassitude électorale se fait ressentir, avec un taux de participation de quelque 67%. La commission a prévu de publier les résultats officiels ce vendredi, avant la Pâque juive. Aux États-Unis, le débat sur les armes relancées après une fusillade dans le Colorado, 10 personnes ont été tuées dans un supermarché. Le tueur présumé, un jeune d'origine syrienne de 21 ans, a été incarcéré. Une fusillade à moins d'une semaine après celle d'Atlanta en Géorgie qui a fait 8 victimes. Joe Biden a appelé ce mardi à bannir les fusils d'assaut. Un air de déjà-vu. À Boulder, dans l'état du Colorado, ce lundi, à 14h30 heure locale, un homme de 21 ans entre dans un supermarché muni d'une arme semi-automatique et y assassine 10 personnes, dont un policier. Une tuerie qui intervient moins d'une semaine seulement avant une autre fusillade à Atlanta, en Géorgie, où 8 personnes ont été abattues dans plusieurs salons de massage asiatiques de la ville. Des massacres qui ont relancé le débat récurrent sur la législation des armes à feu outre-Atlantique. Nous pouvons combler les lacunes de notre système de vérification des antécédents, notamment la faille de Charleston. C'est l'un des meilleurs outils dont nous disposons actuellement pour prévenir la violence par arme à feu. Le Sénat devrait immédiatement adopter, je le répète, le Sénat américain, j'espère que certains nous écoutent, devrait immédiatement adopter les deux projets de loi adoptés par la Chambre qui comblent les lacunes du système de vérification des antécédents. Ce ne devrait pas être une question partisane, c'est une question américaine. Cela va sauver des vies américaines. Et nous devons agir. Nous devrions également interdire les fusils d'assaut dans la foulée. Un vœu pieux qui date de 3 décennies déjà. Une modification de la législation sur le port d'armes à feu doit recueillir le vote de 60 des 100 élus du Sénat, où la majorité démocrate n'est que d'une seule voix. Barack Obama s'y était déjà cassé les dents en 2013, quelques mois après la tuerie de l'école scolaire de Newtown qui avait coûté la vie à 27 personnes, dont 20 enfants. Le prédécesseur de Donald Trump disposait pourtant à la Chambre haute américaine d'une majorité bien plus confortable que celle de Joe Biden. Et à Washington, le climat ne semble aujourd'hui guère propice à un rapprochement de circonstances entre démocrates et républicains.
Cette audition, j'espère, ouvrira une conversation sur les moyens constitutionnels et censés réduire la violence armée en Amérique. Nous considérons le problème auquel nous sommes confrontés comme une crise de santé publique. L'Amérique s'est réveillée aujourd'hui à l'issue d'un autre cauchemar stupéfiant, choquant, sauvage, mais sans surprise. L'inaction a rendu cette horreur complètement prévisible. L'inaction de ce Congrès nous rend complices. Comme beaucoup d'Américains, je chéris mon droit de porter des armes. Dans le dialogue sur le contrôle des armes à feu, nous considérons rarement combien les Américains sont unis dans leur défense et leur jouissance de ce droit. À chaque fois qu'il y a une fusillade, on joue cette ridicule pièce de théâtre où ce comité se réunit et propose un tas de lois qui ne feraient rien pour arrêter ces meurtres. Le droit de détenir une arme est sacro-saint aux États-Unis et s'oppose régulièrement aux initiatives diverses qui tentent d'endiguer leur prolifération. Selon le quotidien Le Denver Post, à Boulder, les armes comme le Ruger AR-556 qui a servi ce lundi avaient été interdites par la municipalité en 2018 à la suite d'une tuerie en Floride. Mais le 12 mars dernier, un juge avait déclaré cette décision illégale. L'auteur du massacre de lundi avait acheté son arme seulement 4 jours plus tard. Quelques heures après la fusillade, la NRA, le tout-puissant lobby pro-armes, diffusait sur Twitter une reproduction du deuxième amendement. Depuis le début de l'année, plus de 4000 personnes ont été tuées par balle aux États-Unis. Et puis en Birmanie, la junte maintient la pression sur les manifestants malgré les sanctions européennes. Ceux qui ont perdu la vie sont qualifiés de terroristes selon le pouvoir militaire qui a pris le pouvoir à l'occasion d'un coup d'État le 1er février dernier. Dans la rue, la mobilisation ne faiblit pas. Une grève silencieuse a débuté ce jour. Est-il d'un message adressé à la communauté internationale? Sous le feu des critiques depuis presque 2 mois, la junte birmane a relâché ce mercredi plus de 600 prisonniers arrêtés après le coup d'État du 1er février. Au total, le pouvoir aurait interpellé plus de 2800 personnes selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Le procès pour corruption d'Aung San Suu Kyi devait débuter ce mercredi. Il a finalement été reporté au 1er avril. La veille, dans l'une de ses rares conférences de presse, le porte-parole de la junte a diffusé une vidéo de l'ex-ministre de la région de Rangoon, où ce dernier accuse l'ancienne dirigeante d'avoir accepté des pots de vin. Je suis entré dans la maison d'Aung San Suu Kyi avec de la soie et de la nourriture dans des sacs de course qui contenaient aussi 20 paquets de 100 billets de 100 dollars, c'est-à-dire un total de 200 000 dollars et 25 lingots d'or. Je lui ai donné en main propre pour son utilisation personnelle ou pour le fonds de victoire du parti, pour la fondation Dow Kin Ki, là où il y avait des besoins. Dans le même temps, la répression militaire continue. Hier, une enfant de 7 ans a été tuée par un tir à Mandalay alors qu'elle se trouvait dans sa maison, selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Le porte-parole de la junte a tenu un discours ferme, mais aussi compatissant pour les civils tués. Je suis triste parce que ces terroristes violents qui sont morts sont nos compatriotes. Au total, 275 civils auraient perdu la vie lors de manifestations anti-juntes. Le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. Des centaines de personnes arrêtées sont toujours portées disparues. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour l'attention et à demain.